Je vais vous présenter une astuce sur le Lego de Fortnite qui va vous permettre de superposer plusieurs coffres ensemble. Donc, comme vous pouvez le voir en face de moi, j'ai superposé 6 coffres. De l'autre côté, j'en ai superposé 4. Et franchement, la technique est super simple, mais fallait penser. Alors, pour superposer des coffres, en fait, ce que vous allez devoir faire, c'est d'aller dans vos constructions, composants de construction plutôt. Et là, vous allez dans sol. Ensuite, vous allez mettre n'importe quel sol. Vous allez le placer au-dessus du coffre, comme ceci. Hop, hop, voilà. Comme ça, je peux créer des coffres sur toute la longueur. Ensuite, je sélectionne le coffre en question que je veux construire. Et j'ai plus qu'à le positionner au-dessus pour bien le placer. Et là, je peux superposer autant de coffres que je veux sur la hauteur que je veux. Donc évidemment, je pense que je peux peut-être faire 3 hauteurs. On va quand même tester. Je pense qu'il y a moyen de faire 3 hauteurs ici. Hop. Alors, je suis pas sûr, on va tester. Hein. Ouais, carrément. Okay. Attends, je crois qu'on peut. Hein. Je crois qu'on peut carrément superposer 3 coffres. Donc, voilà, dans une maison normale, comme celle-ci, comme j'ai devant moi. Dans cette petite maison, vous pouvez superposer 3 coffres les uns sur les autres. Ça vous permettra de mieux stocker vos affaires et de mieux trier vos affaires. Donc moi, par exemple, regardez ici, j'ai mis toute la bouffe. La bouffe et de l'IR, etc. Ici, j'ai mis les ressources que j'obtiens sur les animaux. Donc voilà, que j'obtiens sur les animaux. Ici, j'ai mis toutes les ressources que j'ai besoin, donc le bois. C'est un peu trié par catégorie, hein, le bois, le marbre, etc., etc. Donc ici, ce mur-là, ce sera que des ressources que j'obtiens en farmant. Ici, que des ressources avec les animaux. Ici, ce sera que des ressources de nourriture. Donc voilà, grâce à cette petite technique, vous allez pouvoir stocker plus facilement et trier plus facilement. Code créateur SCR.